Saïf al-Islam Kadhafi se félicite de la garde à vue de Nicolas Sarkozy. Il y a 7 ans, le fils du dictateur libyen était le premier à affirmer sur Euronews le financement libyen de sa campagne. Joint par une journaliste d'Africa News Euronews, Saïf al-Islam Kadhafi, qui n'a jamais été entendu par la justice française, assure détenir des preuves solides contre Nicolas Sarkozy, en évoquant un enregistrement. Il ajoute, je cite, « J'ai moi-même été témoin de la livraison de la première tranche d'argent à Claude Guéant à Tripoli ». Avant de conclure, l'ex-président Sarkozy est responsable du chaos de la propagation du terrorisme et de l'immigration clandestine en Libye. La France était à la tête de la coalition qui a soutenu militairement la rébellion contre le colonel Kadhafi en 2011. En septembre, Nicolas Sarkozy effectuait une visite triomphale en Libye, aux côtés de David Cameron. L'amitié entre la France et la Libye. Un mois avant la mort du dirigeant libyen.